بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وقال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رزين ألا أدلك على ملاك هذا الأمر الذي تصيبه إلى آخر الحديث رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف 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 مرة Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a permis de venir dans la masjid, accomplir une de ses obligations religieuses, la salatul jum'a. Parmi les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam concernant la salatul jum'a, de prendre un bain, de faire le miswak, et une sunna, parfois on oublie, une sunna de Jum'a, c'est de mettre un de ces habits qu'on ne met pas d'habitude le jour de la semaine, mais qu'on réserve ce genre d'habit pour la Jum'a. Ça c'est une sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, j'ai plusieurs jubba, j'ai plusieurs kurta. Je sais que ce kurta-là, il est réservé peut-être pour la salat de Jum'a, bien pour la salat de Eid, un vêtement spécial. Et ça c'est une sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de garder ce vêtement-là, parce que Jum'a, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens, que Jum'a, c'est le meilleur jour de la semaine. C'est le Eid de la semaine. Donc, pour montrer le caractère sacré de Jum'a, de porter un habit que d'habitude on ne met pas pour les jours de semaine lorsqu'on va travailler, on met un vêtement, mais ce vêtement de travail, je ne le mets pas quand je viens pour Jum'a. Donc c'est très important pour montrer le caractère sacré de Jum'a. Et ça c'est un jour qui est, subhanallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a déclaré pour les croyants le jour de Eid de la semaine. Donc on doit garder ça, incha'Allah ta'ala, à l'esprit. Un autre enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'envoyer en abondance les prières et les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam depuis jeudi soir même de commencer. Il y a dans des maisons où depuis jeudi soir jusqu'à avant le coucher de la salat de Maghrib, il y a dans des maisons où toute la famille, il y a même des professeurs qui ne répondent pas au téléphone le jour de Jum'a. La raison est la suivante, ces professeurs-là envoient en abondance les salutations et les prières sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a des familles, papa, maman, les garçons, les tantes, les oncles, etc. Ils envoient un grand nombre de salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à arriver 2 millions. 2 millions tous les Jum'a. Et la plus petite formule, c'est sallallahu alayhi wa sallam. Et le premier grand bénéficiaire de cela, ce sera nous-mêmes. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens, la personne la plus proche le jour de la résurrection,
La plus proche en termes d'intercession spéciale sera la personne qui aura envoyé en abondance les prières et les salutations sur moi. Voilà quelques enseignements du jour du Jumu'ah qu'il faut prendre en considération. Combien de Jumu'ah allons-nous encore vivre? Allah subhanahu wa ta'ala seul le sait. Mais c'est un jour qu'il faut prendre en considération. Et tous les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré de les appliquer, inshallah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. En comparaison de l'au-delà, le croyant, il sait que sa vie ne se résume pas à cette vie sur terre. Sa vie sur terre est un moyen de préparer l'au-delà. C'est la vie éternelle, la vie de l'au-delà qui compte, et c'est le succès dans notre monde qui compte auprès des croyants. Et la vie de ce monde, il n'est qu'une jouissance éphémère. Naf'un qalil wa zahib. Mujahid rahimahullah, il fait le commentaire de ce verset, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata', mais cette vie ne paraîtra que comme une jouissance éphémère en comparaison de l'au-delà. Cette vie sur cette terre, elle est éphémère. Tôt ou tard, on doit quitter ce monde. Tôt ou tard. Et ce caractère éphémère, quelle que soit la situation dans laquelle le croyant, la croyante se trouve, et l'être humain d'une façon générale, d'une réalité, on passe à une autre réalité. Et de cette réalité, on passe à une autre réalité. Et la réalité sur laquelle tout le monde est d'accord, la mort. C'est une réalité sur laquelle tout le monde s'accorde, la mort. Et c'est ça la réalité. Parce que ce monde est une illusion. Les plaisirs de ce monde, les fêtes, les plaisirs, tout cela va disparaître. Mais la réalité, c'est la mort. Et la réalité de la mort nous permet d'ouvrir une autre porte de la réalité. La réalité de la tombe. Et la réalité de la tombe nous permet d'ouvrir une autre porte. La porte de notre succès. Soit c'est une porte du paradis qui s'ouvre, soit c'est une porte de l'enfer qui s'ouvre. Et c'est là le point déterminant de notre existence. Le résumé de 60 ans de vie d'existence sur terre, le résumé de 70 ans, de 135 ans, de 150 ans, de 170 ans, c'est à ce moment-là. Le résumé de tout ça, c'est à ce moment-là. Au moment où l'ange de la mort vient prendre notre âme. Et c'est là où on connaîtra si on a réussi ou pas. Le croyant, il n'est jamais serein en termes parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui va m'arriver. Qu'est-ce qui va m'arriver, je ne sais pas. Mais il travaille, il fait l'effort pour justement pouvoir goûter à ce moment de fête qui est l'ange de la mort qui arrive avec un tissu de soie et qui récupère son âme et qui, lorsqu'on monte, premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, il y a un parfum qui se dégage. Ça, c'est la réalité. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous aurait donné la capacité d'entendre ce que les personnes défuntes discutent entre elles, si seulement je pouvais dire à mon fils, le père qui est décédé, si seulement je pouvais dire à mon fils que rater une salat de Fajr à cause d'un match de foot, tu ne sais pas ce que tu perds. Rater la salat de Fajr à cause d'un événement quelconque, tu as loupé ta salat de Fajr en congrégation, Allahu Akbar. Le père, qu'est-ce qu'il va? Parce qu'il connaît, c'est terminé. Il y a des problèmes dans notre vie de tous les jours. Il y a des problèmes qui ont une solution. Chaque problème a une solution. Chaque problème, il y a une solution. Mais il y a un problème qui n'a plus de solution. Il y a un problème qui n'a plus de solution.
Si j'ai raté mon avion, je peux obtenir un autre vol. Si j'ai raté mon examen, je peux obtenir un autre moment pour passer mon examen. Si j'ai raté un entretien de travail, je peux me rattraper. Si j'ai raté quelque chose, j'ai raté le bus, je peux rattraper ce bus. Mais il y a un problème. Que si ce problème-là, il n'est pas résolu, il n'y a plus de solution. Et ce problème, c'est quitter ce monde sans iman. Là, il n'y a pas de solution. Là, il n'y a plus de solution. Ça, c'est le problème. Ça, c'est the big problem. Ça, c'est le big deal. Si on quitte ce Allahu Akbar, ça, c'est le plus gros problème. Il n'y a pas de solution. La solution, en fait, de notre existence de tous les jours, c'est dans notre rappel que Allah subhanahu wa ta'ala, il est mon créateur. Allah subhanahu wa ta'ala, il me voit. Allah, il m'entend. Je ne suis rien. Oh Allah, aide-moi. Oh Allah, aide-moi. Je ne peux. Je fais l'effort, je demande droit à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle que soit la gravité du péché, je demande pardon à Allah. Oh Allah, je te demande pardon. Je prends la ferme décision de ne plus revenir dessus. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il efface. Allah, il fait oublier les anges. Cheikh Abdul Razak, cette maîtrise de soi, cette maîtrise de la réalité dans laquelle nous sommes et ne pas être bercé dans l'illusion de ce monde où tout semble fonctionner comme si rien n'était, comme si on était éternel, comme s'il n'y a pas de compte à rendre, comme si demain, dans la solitude où personne ne me voit, les anges ne sont pas là. Mes premiers voisins, ce sont les anges. Dans la solitude, dans les ténèbres de la nuit, qu'est-ce que je suis en train de faire? On oublie que j'ai des comptes à rendre. On oublie qu'on doit quitter ce monde. On oublie que, il faudra un jour répondre de toutes les actions, de toutes les intentions, de toutes choses. Subhanallah. Cheikh Abdul Razak al-Halabi, rahimahullah, un éminent savant hanafite de Syrie. Subhanallah. Quel savant, subhanallah. Et quelle intériorisation, ce contrôle de soi, subhanallah. Un jour, il est sorti pour faire la collecte d'argent pour sa madrasa. Alors il entre dans un commerce. Et en toute humilité, il dit au commerçant, voilà, je suis venu collecter pour tel madrasa. Allahu Akbar. Cheikh Abdul Razak al-Halabi rahimahullah, si on va voir sa biographie, si on regarde sa biographie, Allahu Akbar, ces majalis, ces assemblées, plus des milliers de personnes, les ulamas s'arrachent de venir, il est décédé bien sûr, s'arrachent de venir dans ce genre d'assemblée. Donc la personne qui ne connaît, le commerçant ne savait pas la personnalité de Cheikh Abdul Razak, qu'il a vu un savant qui est venu demander de l'argent. Allahu Akbar, vous savez ce que ce commerçant il a fait? Il lui a craché dessus. Il a craché ce Cheikh Abdul Razak al-Halabi rahimahullah. Il a dit, tu n'as rien d'autre à faire que venir collecter. Ça c'est une leçon. Écoutons bien. Ça c'est une leçon. Tu n'as rien d'autre à faire que venir collecter. Donc il lui a craché dessus. Allahu Akbar. J'ouvre une parenthèse. Hein. Mon Akhtar rahimahullah, il écrit. Mon Akhtar rahimahullah, un autre ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien d'autres ulama arabes et non arabes, ils disent, parce qu'à travers un hadith de l'imam Bukhari, rahimullah, ils disent, manquer de respect à un savant, c'est pas moi qui le dis, hein, j'ai les écrits. Mon Akhtar, rahimullah, il dit, manquer de respect à un savant, je crains pour cette personne, à partir du hadith cité par l'imam Bukhari, rahimullah, que cette personne-là quitte ce monde sans iman. Que cette personne-là quitte ce monde sans iman. J'ai peur que
un savant qui dit la vérité et qu'on manque de respect à ce savant et on devient susceptible parce qu'il a dit une vérité ou qu'on manque de respect, je crains pour cette personne-là qu'il quitte ce monde sans iman. Cheikhul Hind, il dit, si vous ne me croyez pas, lui, il dit autre chose, si vous ne me croyez pas, il dit, déterrez les tombes dans lesquelles on a manqué de respect aux savants, regardez où son visage est tourné. Pas vers la Qibla. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. On ferme la parenthèse. Cheikh Abdul Razak, lorsqu'il a vu que cette personne-là lui a manqué de respect, pour pas qu'il tombe justement dans cet avertissement-là. Allahu Akbar, regardez la maîtrise, mais ça c'est, Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ces qualités-là, subhanallah. Cheikh Abdul Razak, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait, il a enlevé ses lunettes, il s'est essuyé le visage, il a pris sa barbe, il a essuyé devant la personne. Il a remis ses lunettes, il a dit à la personne, ok, ce que tu viens de faire là, ça c'est pour moi. Moi je suis rien. Ce que tu viens de faire là, tu m'as craché dessus. C'est pas grave. Ça c'est moi. Moi je suis rien moi. Moi je vaux rien. Donc tu as craché sur moi. Mais maintenant, je te pose une autre question. Pour le din d'Allah, qu'est-ce que tu donnes? Pour le din d'Allah, qu'est-ce que tu donnes? Ah, lorsque la personne a entendu, il a pleuré. Elle a dit, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Moi je viens te demander, pas pour moi, moi je viens te demander pour le din d'Allah. Maintenant, pour le din d'Allah, qu'est-ce que tu donnes? Lorsqu'il a entendu ça, il a pleuré. Il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Cheikh Abdul Razak lui a fait un énorme privilège. Il lui a préservé de quitter ce monde sans iman en lui manquant de respect. Mais regardez l'humilité de Cheikh Abdul Razak, rahimahumullah. Il a dit pour le din d'Allah, qu'est-ce que tu donnes? Cette personne, il a pleuré. Il a demandé pardon, 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 pardon. Cheikh Abdul Razak dit oui, pas de problème, je te pardonne. Je te pardonne, il n'y a pas de souci. La personne lui a pris la caisse. Il a dit ça, amène la caisse. Amène la caisse. Cheikh Abdul Razak dit non, donne ce que toi tu veux donner. Voilà la réalité. La réalité de ce monde. La réalité de la maîtrise de soi. Parce que ces personnes-là savent que demain, lorsqu'ils vont fermer les yeux, peut-être auprès des gens, ils n'ont pas eu de valeur, mais auprès d'Allah, ils ont une valeur. Et ça, c'est une notion pour nous tous. Parfois, la réalité de din doit pénétrer à tel point notre cœur qu'on sait placer chaque chose à sa juste valeur. On sait où on met les pieds et on sait pourquoi on travaille. Je sais pourquoi tous les matins je me lève très tôt et je travaille. Je sais pourquoi j'ouvre et je ferme mon commerce parce que j'ai des comptes à rendre. Je sais pourquoi je vais à l'école. Je sais pourquoi je fais ceci. Je sais pourquoi je fais cela. Ibrahim ibn Adham, rahimahullah. Regardez ces hommes pieux. Pas une phrase. Toute une vie est bousculée. Ibrahim ibn Adham, rahimahullah. Un jour, un homme très riche. Regardez, lorsqu'on maîtrise la réalité de l'invisible, ben, la réalité de l'invisible nous fait montrer le visible à sa juste valeur. Un homme très riche, il vient voir Ibrahim ibn Adham, rahimahullah, il dit, je veux te donner un cadeau. Il dit, voilà ce cadeau qui est un djoubba. Alors Ibrahim ibn Adham, rahimahullah, lui dit, je n'accepte les cadeaux que des personnes riches. Et c'était une personne riche. Il dit, combien tu possèdes? Il dit, je possède 2000 pièces d'or. Il lui a dit, aimerais-tu en avoir 4000 pièces d'or? Il dit, oui. Il dit, tu es une personne pauvre. Tu es une personne pauvre. Je n'accepterai pas ton cadeau. Voilà la réalité. Parce que Rasulullah il a dit, le riche, c'est celui qui est riche du cœur. C'est-à-dire qui connaît la réalité de l'autre monde. Qui connaît que ce monde-ci, quel que soit le bien que je possède, lorsque je quitte ce monde, je vais laisser tout. Tout. Je vais tout laisser. Il dit, tu es pauvre.
tu es pas riche. Parce que ce désir-là de posséder et de posséder et de posséder, il y aura une seule terre qui va terminer ce désir-là. C'est la terre de la tombe. Voilà où se trouve la réalité de ce monde. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne vraiment la compréhension de préparer la vie de l'au-delà, de préparer cette vie de la tombe qui nous attend tous à chaque moment, à chaque instant, et qui nous permette de voir les choses, que les yeux du cœur s'ouvrent réellement, et que de comprendre que ce monde est une illusion. L'ambiance festive, l'ambiance, quelle que soit, le croyant, il sait qu'il a une fonction, c'est de satisfaire Allah, de rechercher le plaisir, le contentement d'Allah, parce que c'est la seule chose qui va lui rendre service au moment de mourir, dans la tombe, le jour de la résurrection et son entrée éternelle dans le paradis. Amin wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Fajazakumullahu khairan, salam jazakumullahu.